Coucou tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. On est vendredi 2, il est à peu près 11h, je crois, quelque chose comme ça. Donc j'ouvre un nouveau petit vlog parce qu'aujourd'hui j'ai pas mal de choses à vous montrer et à vous dire. Et je voulais vous montrer, voilà, je vous l'ai déjà montré sur Instagram et tout le monde ne me suit pas forcément sur Instagram. Mais voilà, notre petit chat a pris une petite habitude et je voulais vous la montrer parce que franchement elle est trop mignonne. Elle a pris l'habitude de se cacher sous l'oreiller de son papa. Voilà, je sais pas si vous allez voir peut-être sa tête, mais elle est trop 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 mignonne. Vous voyez, bon bah elle est noire hein, donc on voit pas grand chose, mais voilà, elle se met sous l'oreiller de son papa. Et elle reste là toute la matinée. Elle est au chaud, tranquille. Nous avons Calico qui surveille toujours la fenêtre. Et nous avons toujours un doudou qui essaye de s'incruster. Qui est vraiment, voilà, qui veut toujours être sur les vidéos. Mais en tout cas, les petits chats vont bien. Et du coup, la petite, comme je vous le disais, se met sous l'oreiller. Et des fois, la dernière fois, j'ai vu l'oreiller bouger. Je me suis demandé ce qui se passait. Mais non, c'était juste la petite, du coup, qui se niche au chaud. Sous l'oreiller de son papa parce qu'elle doit sentir qu'il n'est pas bien et du coup elle y reste pendant un bon moment. Je voulais vous faire un retour aussi sur ce que j'avais acheté sur Shein. Et ben franchement ça tient très bien, ça colle très bien. Donc vous voyez j'ai mis du coup du papier toilette, j'ai mis le spray et notre détecteur. Et voilà, parce que j'avais eu un commentaire comme quoi ça collait mal. Et ben franchement ça colle très très bien, ça prend pas de place, ça coûte rien. Et c'est une optimisation quand vous n'avez pas beaucoup de place. Donc franchement, je suis trop 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 contente. Dans le couloir, j'ai rajouté la petite table basse et j'ai mis du coup le Mikado de chez Nox, senteur lilas. Il sent divinement bon. Voilà, je vais vous reparler de l'offre parce qu'il y a une offre en cours. Mais franchement, il sent trop trop bon et ça embaume tout le couloir. On se retrouve dans ma pièce. Donc là, je viens de filmer le haul action que vous avez ce soir pour moi. Voilà, je vous ai fait un petit post sur Instagram et sur YouTube pour celles qui n'ont pas vu la FAQ, puisque je vais partir du coup une semaine pour changer un petit peu d'air. Donc j'essaye d'anticiper un peu les vidéos, mais il y aura une absence, voilà, parce que je ne vais pas emmener mon PC et je ne peux pas faire tous les réglages de mon téléphone hein, et j'ai vraiment besoin de me couper un petit peu de tout ça. L'organisation va être, voilà, on est vendredi aujourd'hui, j'ai fait le haul action pour ce soir. Vous aurez du coup ce vlog pour lundi. Mercredi, normalement, vous avez les produits terminés et vendredi, je ne sais plus ce que je vous ai mis pour vendredi. Donc, c'est-à-dire que du 10 au 18, je rentre le 14, mais je ne sais pas si j'aurai le temps de faire des vidéos. Donc, pour l'instant, on part du 10 au 18. Vous n'aurez pas du tout de vidéos sur la chaîne. Voilà, je vais essayer d'alimenter avant de partir comme je peux, mais ce n'est pas forcément évident. En plus, demain, on n'est pas là parce qu'on fait l'anniversaire de mon chéri et de sa nièce. Dimanche, je vais essayer de filmer une vidéo, je vais essayer de filmer les produits terminés, comme ça bah, je pourrai les mettre en ligne. Et il faut aussi que je prépare ma valise, mes affaires, voilà, j'ai plein de choses à préparer, à anticiper aussi. Et lundi, on a rendez-vous chez le médecin avec mon chéri le matin et je vais emmener belle-maman en fin de journée chez le médecin. Donc la journée de lundi sera aussi chargée et moi je pars du coup le mardi dans la journée. Donc voilà, donc c'est assez speed, assez. Et puis comme je suis une angoisse, je suis une anxieuse de base de toute façon, ça m'angoisse totalement les départs. J'ai à peu près 3h30 de route, hein, en sachant qu'avec tout ce qui se passe, les blocages, etc., je vais prendre la nationale. On verra bien, hein, de toute façon, ce qui se passera, mais du coup, je ne vais pas essayer de prendre l'autoroute. Donc voilà, mon chéri a reçu un joli cadeau de l'une d'entre vous, et du coup, je voulais vous le montrer. Tout simplement, comme vous le savez, il dessine et en fait, elle lui a fait une surprise. Elle a envoyé directement de Amazon à la maison. Moi, je commande jamais sur Amazon. Elle lui a pris déjà un bloc hein, comme ceci, donc de la marque Clairefontaine. Et en fait, c'est du papier assez spécial. C'est du papier un peu, pas plastifié, mais voilà, c'est vraiment un grain spécial. Et elle lui a offert une pochette de Posca. Il voulait les tester, ça coûte très cher.
Et franchement, voilà, ça lui a mis du baume au cœur, hein, surtout que vous savez qu'en ce moment, il est très 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 malade. Et franchement, il voulait les tester depuis le temps qu'il les a testés. Donc je te remercie encore du fond du cœur. Franchement, voilà, t'as fait un heureux. Il les adore. On les a tout de suite testés parce qu'il faut déjà les amorcer avant de pouvoir les utiliser. Et franchement, voilà, il y en a 25 à l'intérieur. Non, il y en a 16 à l'intérieur. Voilà. Et franchement, c'est de la très bonne qualité. En plus, tu as pris la teinte. Tu as pris le format médium. Donc c'est parfait pour le dessin. Et ça fait des rendus sur les cadres juste magnifiques. Donc merci à toi du fond du cœur. Franchement, il a été trop, trop, trop content. Et voilà, je tenais vraiment à te remercier. Je voulais vous montrer aussi avec quelle palette je me suis maquillée donc pour le haut l'action. Je me suis maquillée avec la petite palette de la marque Estate. Je ne sais pas comment on dit, que j'avais trouvé il y a un petit moment chez Nose. Et franchement, la qualité, la pigmentation, je ne sais plus combien je l'avais payée, mais j'avais payé vraiment rien du tout. Donc j'ai mis celui-ci en ras de cils et en un tout petit peu en coin externe. J'ai mis bien sûr ce vert qui est juste magnifique, hein, et j'ai mis ce cuivré à l'intérieur en coin interne. Et franchement, cette petite palette, c'est une petite pépite. Ça valait rien, j'étais pas sûre de la qualité, mais vraiment, c'est une pépite. Hier, forcément, pendant qu'on n'était pas là, hein, parce qu'on a déposé des petites choses chez la belle-sœur, comme on a été aussi à Action, j'ai reçu un colis, donc j'ai un avis de passage, donc normalement le facteur doit me le renvoyer aujourd'hui. Donc peut-être que c'est du coup, je vous avais parlé du partenariat Amazon pour les accessoires de chat. Donc je vous montrerai le colis quand je le recevrai. Si c'est un colis d'abonné, je vous ferai une vidéo spéciale. Mais je pense que ça doit être un colis, le colis d'Amazon, le dernier partenariat là que j'attendais. Parce que pour l'instant, j'ai plus de partenariat. Je voulais vous parler aussi du coup, vous rappeler que du 1er au 14 février avec Nox Parfum, je suis affiliée toute l'année. Donc c'est-à-dire que j'ai un lien d'affiliation que je mets en barre de description tout le temps. J'ai moins 15% toute l'année. Je l'adore. Et pour finir, j'ai pris un bronzer à 1,50 €. Et il est comme ceci. Donc il est en teinte froide. Il est très 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 joli. Voilà. Donc je suis contente. J'ai quand même trouvé quelques petites choses. Mais je n'ai pas trouvé les palettes Kiko qui sont parties bien sûr très très vite. Je voulais vous montrer aussi avec quelle palette je me suis maquillée donc pour le haut l'action. Je me suis maquillée avec la petite palette de la marque Estate. Je sais pas comment on dit, que j'avais trouvé il y a un petit moment chez Nose. Et franchement, la qualité, la pigmentation, je sais plus combien je l'avais payé, mais j'avais payé vraiment rien du tout. Donc j'ai mis celui-ci en ras de cils et en un tout petit peu en coin externe. J'ai mis bien sûr ce vert qui est juste magnifique, hein, et j'ai mis ce cuivré à l'intérieur en coin interne. Et franchement, cette petite palette, c'est une petite pépite. Ça valait rien, j'étais pas sûre de la qualité, mais vraiment, c'est une pépite. Hier, forcément, pendant qu'on n'était pas là, hein, parce qu'on a déposé des petites choses chez la belle-sœur, comme on a été aussi à Action, j'ai reçu un colis, donc j'ai un avis de passage, donc normalement le facteur doit me le renvoyer aujourd'hui. Donc peut-être que c'est du coup, je vous avais parlé du partenariat Amazon pour les accessoires de chat. Donc je vous montrerai le colis quand je le recevrai. Si c'est un colis d'abonné, je vous ferai une vidéo spéciale. Mais je pense que ça doit être un colis, le colis d'Amazon, le dernier partenariat là que j'attendais. Parce que pour l'instant, j'ai plus de partenariat. Je voulais vous parler aussi du coup, vous rappeler que du 1er au 14 février avec Nox Parfum, je suis affiliée toute l'année. Donc c'est-à-dire que j'ai un lien d'affiliation que je mets en barre de description tout le temps. Sauf du coup quand ils font des offres spéciales où on a un taux de remise plus importante. Et en fait, grâce à ce lien, quand vous passez par mon lien, je touche des petites commissions. Donc merci à toutes celles et tous ceux qui passent par mon lien. Et sachez du coup qu'en ce moment, il y a la promo pour la Saint-Valentin. Et que pour une commande de plus de 50 €, vous avez un rouge à lèvres offert d'une valeur de 8,90 €. Et la livraison est gratuite à partir de 30 € d'achat. Donc voilà, donc c'est une offre assez rapide. C'est du 1er au 14. Et c'est avec mon code MYLN. Donc
Parce que j'ai vu que, voilà, apparemment, il y a des petits soucis avec le code promo. Donc, passez directement par le lien d'affiliation, ça fait exactement la même chose. Et n'hésitez pas, du coup, franchement, les Mikado, j'ai pas testé Bubblegum. Parce qu'ils font pas que du parfum, hein, comme je vous avais déjà montré, moi j'ai testé plein de choses. Ils font des parfums, ils font des Mikado, les parfums d'ambiance, là. Et en plus, ils ont mis des nouvelles senteurs. Et franchement, le lilas dans le couloir, c'est une tuerie. J'ai le Bubblegum que j'ai mis en stock, hein, que j'ai hâte aussi de tester, mais j'attends que le lilas se termine. Ils font aussi des petits désodorisants pour les voitures. Ils font des petits coffrets, ils font des bijoux aussi en acier inoxydable. Donc voilà, ils font quand même une large gamme. Ils sont étendus, ils sont très réactifs. Les colis arrivent très vite. Donc franchement, j'adore travailler avec eux. C'est vraiment une très belle marque. Et ils font des petites pépites. Et voilà, à chaque fois, je prends des Mikado du coup. Parce que franchement, ils sentent trop 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 bon. Donc vous n'êtes pas obligé de prendre des parfums, hein, pour cette offre. Mais si vous n'avez pas testé, du coup, si vous aimez la senteur lilas, n'hésitez pas. Parce que franchement, ça sent trop trop bon. J'ai fait une petite commande Ikea. Que je pense du coup qui va arriver la semaine prochaine, hein, vu que je l'ai fait en mondial relais. Et là, hier soir, j'ai fait une commande chez Notino pour reprendre des fondants Yankee Candle. J'ai craqué. Mais voilà, donc je pense que mes colis vont arriver la semaine prochaine quand je ne serai pas là. Donc je vais voir. Soit j'appellerai mon mondial, hein, parce qu'ils ont l'habitude, hein, ils me connaissent. Je l'appellerai mon mondial pour leur dire que je suis pas là et parce que je crois qu'on. Je sais plus si c'est 15 jours pour aller chercher les colis, mais en tout cas, voilà, pour leur expliquer, ou sinon je verrai avec mon chéri s'il peut aller les chercher, parce que comme il n'est pas véhiculé, etc. Donc voir un petit peu comment je vais me dépatouiller, mais du coup j'aurai les colis que quand je rentrerai, mais c'est pas très grave. Donc j'ai hâte, ma soeur de cœur a hâte aussi, elle a adopté deux petits chats, donc voilà, donc je ne serai pas trop déboussolée. Et puis voilà, ça va vraiment me permettre de me reposer, de faire pas mal de choses. Donc il y a toute une organisation, il faut que je fasse ma valise, il faut que je voie au niveau de l'itinéraire, il faut que. Voilà, je suis anxieuse de nature. J'ai préparé les médicaments à monsieur, voilà, vraiment faire attention aussi à tout ça. Donc voilà, donc il y a pas mal de choses à anticiper, pas mal de choses à penser. Donc je vais me faire une to-do list, hein, parce que sinon je sais que je vais en oublier la moitié. Ça va me faire un petit peu mal au cœur parce que c'est la première fois que je laisse tout le monde. Et ça va me faire énormément de bien. J'en ai vraiment besoin. Donc voilà un petit peu. Je vous reprendrai tout à l'heure quand on recevra du coup le colis pour vous montrer ce que c'est. Vu que normalement le facteur du coup doit repasser pour nous le redéposer. Et puis voilà un petit peu ce qu'il en est. En tout cas, chez Action, j'ai trouvé des belles pépites. Donc je suis vraiment très contente. Juste dommage que j'ai pas trouvé de palette chez Noz de la marque Kiko. Mais c'est pas grave. J'ai trouvé quelques petits maquillages. Hein, donc ça me suffit largement. Ça sera ce vlog pour aujourd'hui. Je vais aller me démaquiller, me mettre en habit chaud parce qu'il fait pas très très chaud. Et puis on se retrouve tout à l'heure. Et ben maintenant qu'Alico a pris aussi la nouvelle initiative de s'allonger dans les vêtements. Donc voilà. Il est confortablement installé. Alors c'est bien parce que les pantalons noirs à papa, ben ils vont être tout blancs avec les poils. Bon. Bonne nuit, Calico. On est samedi, il est 8h17. Je viens de sortir de la douche, donc c'est pour ça que je suis brillante. Je viens de faire mes soins. J'ai mis l'anneau lumineux parce qu'il fait encore gris. Je vous ai abandonné hier, donc du coup j'ai fait mon haul Action, je l'ai mis en ligne. Après du coup on a surveillé le facteur, hein, qui finalement du coup m'a déposé, donc c'était bien le partenariat. Ensuite on a voulu faire un petit drive à Carrefour pour du frais, comme ça parce qu'il nous manquait un petit peu de frais au niveau du frigo, comme ça le chéri aura ce qu'il faut. Et du coup, en fait, j'ai reçu ma commande Ikea, tout simplement. Ça a été super rapide. J'ai passé la commande le 28, le 28, donc c'était un dimanche. Et en 5 jours, c'était arrivé. Alors au début, la fille, parce que du coup, moi, j'ai pris un des mails. Et elle avait qu'un carton, mais un carton plat. Et je lui dis, c'est bizarre parce que j'ai commandé une bougie avec. Donc là, la bougie, je vois pas trop où elle peut être. Et en fait, en regardant dans mes mails, donc il y avait deux colis Ikea, ils les ont fait en deux envois.
Franchement, c'est hyper rapide et j'en ai pas eu pour cher. Je sais pas si j'aurai le temps de vous montrer aujourd'hui. Et du coup, j'ai reçu en même temps en fait qu'elle a soulevé le deuxième colis IKEA, mon chéri dit: ah bah il y a le nom de famille de ma chérie qui est là. Donc on a regardé l'étiquette et du coup on a reçu en même temps le colis de l'une d'entre vous. Si vous n'aviez pas suivi, à la base elle me l'avait envoyé par la poste. Je vous avais dit, c'était quand j'avais trouvé le billet de 10 euros. Je devais le recevoir par la poste, hein. Ça a été, la livraison a été redécalée, etc. Pour du coup expliquer la mésaventure, la pauvre, franchement, je suis vraiment dégoûtée. Et en fait, au final, la poste lui a renvoyé le colis à elle. Voilà, donc du coup, elle est passée par Mondial Relay. C'est quand même beaucoup mieux de passer par Mondial Relay. Ça coûte moins cher déjà et c'est quand même plus efficace parce que là, du coup, je sais absolument pas ce qui s'est passé au niveau de la poste. La pauvre, elle a payé des frais. Le colis fait 10 kilos, franchement, t'es une grande malade. Donc du coup, j'ai plein de colis là qui sont là. Donc hier, c'est la journée des colis. Et puis après, du coup, on est rentré et on est parti. Après, on est rentré. Il y a un ami à mon chéri qui est passé, du coup, boire un café, etc. Et puis après, j'ai chillé. En ce moment, du coup, je regarde Chicago Fire. Vu que mon beau-frère m'a passé, du coup, un compte. Il m'a rajouté dans son compte, hein, pour que je puisse avoir accès à Amazon Prime. Et Chicago Fire, j'avais vu sur Netflix, mais j'avais vu que les 4 premières saisons. Donc là, du coup, je vois enfin la suite. Et après, donc voilà. Donc du coup, je suis à fond dedans en ce moment. Je regarde cette série-là quand j'ai le temps et quand je suis pas trop fatiguée. Je le vois donc, je suis exténuée. Je me suis réveillée à 6h. Mais le problème, c'est que du coup, je dois attendre qu'il fasse jour à chaque fois pour filmer. Donc je vais vous montrer vite fait du coup tous les colis que j'ai reçus. Je vais après me préparer, me maquiller pour ouvrir le colis du coup de ma belle abonnée. En plus aujourd'hui, nous sommes samedi 3 février et c'est l'anniversaire de mon chéri, il a 35 ans. Du coup, il y a des petites choses pour lui. Donc comme ça au moins il aura ses petits cadeaux pour son anniversaire. Et comme ça je la posterai sûrement. Parce qu'il faut que j'anticipe aussi au niveau des vidéos. Et demain, parce que du coup ce matin là j'ai un peu de temps, donc je vais faire ça. Et cet après-midi du coup on fait l'anniversaire chez la belle-sœur de mon chéri et de sa nièce. Demain on n'a rien de prévu, mais du coup il faut que demain je vous montrerai ce que ma commande IKEA, je vais y arriver. Plus du coup le partenariat Amazon. Préparer ma valise, me reposer un petit peu, monter le vlog pour que vous l'ayez lundi et du coup faire les montages des vidéos que j'ai à faire. Plus il faut que je fasse la vidéo pour vendredi. Donc demain j'ai encore pas mal de choses à faire vu que lundi, comme je vous ai dit, j'ai pas mal de rendez-vous, etc. Et que je pars du coup mardi dans la journée. Donc voilà, ça va être assez speed. Mais franchement, merci du fond du cœur à toi. Donc j'ai hâte, hein, là je vais me maquiller, me préparer. Et comme ça, le chéri aura ses petits cadeaux pour son anniversaire. Donc finalement, tu vois, ça tombe bien. Sans le savoir, du coup, tu vas lui faire des petits cadeaux pour son anniversaire. Donc voilà, pour vous montrer un petit peu, en fait, à la base. Il n'y avait que ce carton-là, IKEA, et je dis, c'est bizarre, j'ai commandé une bougie, et en fait, non, il y en a du coup un deuxième. Donc le facteur hier, qui était passé et qui est repassé hier, donc c'est bien le partenariat avec les petites choses pour les chats. Donc ça, c'est cool, comme ça, je vais pouvoir en emmener à ma sœur de cœur, vu qu'elle a adopté 2 petits chats, donc ça va être super pratique. Hein. Donc ça, je vous montrerai ça demain, ou tout à l'heure si j'ai le temps, et du coup, le colis de mon abonné, que je vais ouvrir en vidéo. Donc je vais me préparer et je vais faire la vidéo, comme ça au moins elle sera faite. Si j'ai le temps, je vais faire le montage, comme ça je la mettrai pour mercredi, vu que vous aurez le vlog lundi. Vous aurez les produits terminés pour vendredi. Enfin, je vous redirai ça. De toute façon, le vlog n'est pas terminé. Je le clôturerai que demain. Donc on en reparlera. Mais hier, c'était la journée des colis et franchement, ça fait trop plaisir. Je viens de finir l'unboxing, du coup j'ai envoyé un message, t'es une grande malade ma belle, merci du fond du cœur. Et je viens de déballer du coup le colis Amazon, comme ça je vais vous montrer, parce que vu que cet après-midi
On va tester le petit sac de transport pour la pichou. Donc comme ça, au moins, je peux vous montrer déjà avant de l'utiliser. Et du coup, les petites cabanes, je les emmènerai du coup pour ma soeur de cœur. Comme je vous ai dit, elle a adopté deux petits chats. Donc voilà, ça lui servira puisque nous, ils y vont absolument pas dans les petites cabanes. Donc déjà, j'ai reçu une cabane comme ceci avec un gros coussin déhoussable. Il est trop beau, regardez-moi ça, les détails. Ils m'ont demandé ce que je voulais, je leur ai dit que voilà, je leur faisais confiance. Ça fait des petites oreilles de lapin comme ça, il est trop trop beau. On a celui-ci comme ceci, qui est un peu plus petit, mais ça, c'est pas du tout la même qualité que chez Shein, hein. On voit qu'il y a quand même une meilleure qualité. Heureusement que j'ai pris ma voiture parce que je vais arriver chargée. Et du coup, le sac de transport pour la pichou, voilà. Donc c'est tout rose, c'est tout rose, c'est tout pilou pilou. Vous avez un petit coussin rose que vous pouvez enlever. Et comme ça, elle sera au chaud quand on la sortira. Elle sera calée. Et en fait, vous le prenez tout simplement par la lanière, comme ça. Et ça fait un sac. Donc elle peut sortir sa petite tête par là ou par là. Et au moins, elle est calée. Et franchement, j'ai hâte de tester. Je vous la montrerai tout à l'heure. Voilà, mais elle est tellement toute petite qu'on la verra même pas. Mais au moins, comme ça fait aussi un petit panier quand on l'emmène. Donc voilà. Donc merci beaucoup à la marque de m'avoir fait confiance et de m'avoir envoyé ces petits produits-là pour mes petits chats. On est dimanche, hein, il est presque midi, j'espère que vous allez bien. On a lancé une machine, hein, je suis désolée, c'est pour ça que vous avez le bruit. Je viens de me réveiller, je me suis réveillée à 5h30, en ce moment j'arrive pas de me réveiller super tôt. Et puis j'ai eu la mauvaise idée de me réveiller, de faire tout ce que j'avais à faire et de me rendormir. Et j'ai fait un cauchemar, et je sais pas si ça vous le fait, mais le temps que de se réveiller et de se remettre du cauchemar, c'est un peu compliqué, enfin bref. Je voulais vous montrer le nouveau bureau du chéri, vu que du coup il l'a eu pour son anniversaire. Et on a récupéré aussi le meuble télé, enfin le meuble, c'est un buffet, mais du coup on l'a mis en meuble télé de belle-maman. On l'a récupéré de chez belle-maman, c'était le meuble qu'elle avait fait, si vous m'aviez suivi, elle l'avait fait elle-même, enfin elle avait customisé elle-même. Donc je vous montre ça. Aujourd'hui, là après, je vais aller ouvrir, hein, le colis Ikea. Enfin, on va ouvrir les colis Ikea ensemble. Et puis, du coup, je vais faire le. Ben, je vais les mettre en place. J'ai une idée aussi, donc je vais modifier 2-3 trucs dans ma pièce. Et après, je clôturerai le vlog. Il faut aussi que je prépare les sacs. Il faut que je fasse un peu de tri et que j'ai des choses à donner à ma soeur de cœur. Donc voilà, donc j'ai pas mal de choses à préparer. Il faut que je prépare ma valise. Mais finalement, demain, j'ai juste le rendez-vous chez le médecin pour monsieur demain matin. Donc demain, j'ai après ma journée de mon après-midi de libre. Hein, donc je ferai les produits terminés. Parce que là, du coup, avec le cauchemar, je ne suis pas du tout en état de me maquiller, de me préparer, de filmer. Donc voilà un petit peu du coup le programme d'aujourd'hui. Donc il y a pas mal de choses à préparer. Mais je pense aussi que voilà, les cauchemars, c'est le stress du départ, de laisser le chéri tout seul, de même si j'anticipe tout et tout, forcément il y a le stress du départ quand même. Donc je monte son bureau, son et le meuble télé. J'ai des poignées que j'avais achetées à Action ou à Noz, il me semble. Donc on va peut-être les changer. Et après on va ouvrir les colis Ikea. Donc voilà ce que ça donne. Il l'a acheté sur Cdiscount. Donc il est vraiment très bien. En plus, c'est un bureau d'angle, tout simplement. Voilà. Donc il a tout son setup, hein, comme ça. Derrière, il va voir, il va sûrement enlever le meuble. Mais pour l'instant, on ne sait pas trop. Et franchement, il est de bonne qualité. Et donc voilà. Donc il vient de chez Cdiscount. Le bois est vraiment très très beau. Et ce qui est bien, c'est que bah, en angle, comme ça. Parce qu'en fait, l'ancien, il bougeait. Parce qu'avec les caissons et tout, ça bougeait. Il y avait juste une planche et des caissons et ça bougeait. Et là, du coup, c'est vraiment très stable. Et comme il a un retour, c'est un bureau d'angle, ça lui permet, du coup, de pouvoir tout simplement avoir plus de place pour stocker tous ses feutres. Donc voilà, nous on a récupéré. Ah oui, je vous avais pas montré son cadeau d'anniversaire. J'ai offert des chaussons parce qu'il adore les chaussons.
comme ça, voilà. Il voulait un autre modèle, mais en taille 46, c'est un peu compliqué à trouver. Du coup, on a réussi à trouver des chaussons Simpson. Je lui ai offert pour son anniversaire, et il adore ces chaussons-là. Et voilà, du coup, le meuble, le buffet que belle-maman avait customisé. Et du coup, on l'a gardé pour mettre le meuble télé, tout simplement, pour faire un meuble télé. Et en même temps, pour faire, pour ranger les papiers, etc. Parce que on n'avait rien pour ranger les papiers. Donc voilà, donc franchement il est trop trop beau, j'adore le papier peint. Et du coup je veux juste peut-être changer les petites poignées là, vous voyez. Mettre les petites poignées en forme de genre de diamant que j'avais acheté à Noz il y a longtemps. On va peut-être modifier ça. 14h28 et je viens de réaménager du coup toute la pièce. Donc ça m'a pris pas mal de temps. Ici du coup on a les deux sacs que je vais emmener. Du coup j'ai fait du tri. J'ai enlevé mon miroir qui me servait strictement à rien et du coup j'ai redécalé tout ce qui est coiffeuse, etc. pour pouvoir intégrer. Donc en fait c'était le bureau de mon chéri en bas. Donc comme ça me permet d'avoir les bannettes pour les produits terminés, les hauls, les concours, etc. Ici du coup j'ai pu mettre mon imprimante en haut parce qu'elle prenait la poussière par terre. J'ai mis un meuble ici parce que du coup ça n'est pas à ce niveau-là. Donc là on a le bureau, donc avec toutes mes petites affaires, etc. On a la fameuse petite tirelire de chez Shein, donc que j'ai montée. Ici du coup j'ai fait mon petit coin comme ceci. Après du coup j'ai mis les colliers ici, voilà, mais j'ai enlevé toutes celles qui étaient en chouette, hein, puisque je vais les mettre à part. Ici, j'ai fait un petit coin floral. Ici, du coup, ça va pas beaucoup changer. Là, c'est les poignées dont je vous parlais. Je vais voir, du coup, pour les mettre sur le meuble. Et ici, du coup, c'est deux, trois petites choses que j'avais reçues. Du coup, vous verrez la vidéo mercredi. Et voilà, j'ai remodifié un petit peu. Et on va s'attaquer du coup à ouvrir les deux colis. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Voilà, si je vous ai joué en image. Donc au moins c'est beaucoup plus fonctionnel et ben ça me plaît. Donc j'ai mis du coup tous les colliers chouettes ici. Et je vais les accrocher. Mais avant du coup, il faut que j'ouvre mon colis Ikea pour vous montrer et pour que je puisse le faire. Donc voilà un petit peu le nouveau setup que j'ai. Il faut que je voie quand je vais faire ma vidéo produit terminé que demain. Il faut que je voie du coup ce que ça va donner. Il y aura peut-être des modifications à faire, etc. au niveau du fond. Mais au moins comme ça me permet d'avoir un espace de rangement encore une fois avec des caissettes de chez Action pour tout ce qui est produits terminés, tout ce qui est concours, tout ce qui est haul, etc. D'avoir mon imprimante comme ça. Donc on est dimanche, je suis habillée, je suis en pyjama et j'ai vraiment hâte. Du coup, je voulais vous montrer, parce que je ne savais pas du tout qui a livré. Voilà. Alors, c'est énorme. Normalement, j'ai pris, je sais plus, j'ai pris la plus grande dimension. Pour pouvoir mettre, mais c'est vraiment très bien emballé. Je vais vous montrer du coup ce que j'ai acheté. C'est quoi comme dimension? C'est pas forcément marqué. Je vous le remettrai, mais j'ai pris du coup la plus grande dimension et en plus elle était en solde. Donc voilà, il y a des papiers qui collent. Donc en fait, je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. C'est tout simplement en fait un support mural pour venir accrocher plein de petites choses. Et du coup, je l'ai pris en noir pour pouvoir mettre toutes mes petites mignonneries, tous mes petits porte-clés, etc. pour que ça ressorte. Et du coup, on a les crochets, etc. Donc, je vais voir avec mon chéri pour qu'il m'aide. Et on a donc le deuxième colis. Je fais attention parce que du coup, il a mon nom, etc. Où j'ai pris, j'en ai profité hein, comme c'était les soldes. Et j'avais vu ça sur un TikTok hein, d'une fille qui avait une boutique. Et je me demandais où est-ce qu'elle l'avait eu. Et en fait, ma belle-sœur a fait une commande chez Ikea. Et je ne savais pas qu'on pouvait être livré. Parce que nous, on n'a pas du tout de Ikea vers chez nous. Et maintenant que je le sais, je vais pouvoir regarder. Très bien emballé. Hein, j'ai pas mal de petites choses. Donc j'ai pris des petits crochets comme ça spéciaux
pour pouvoir accrocher. J'en ai pris deux paires, il me semble. Voilà. Comme ça, en fait, ça fait des petits crochets et je vais pouvoir accrocher toutes mes petites mignonneries parce qu'en fait, avec le papier peint, je trouve que ça ne ressort pas et ça fait un peu fouillis. Donc, j'espère que ça va aller. Et en fait, en pièces détachées, j'ai pris, alors à voir, parce que après, si vraiment j'ai besoin, j'enverrai pour racheter des petites pièces détachées. J'ai pris en fait un support comme ceci. Voilà, comme ça au moins vous pouvez poser des choses. Donc, pareil, ça s'accroche dans les encoches. Et voilà, il existe plein de types. Vous pouvez avoir des genres de gobelets, vous pouvez avoir des crochets, vous pouvez avoir énormément de pièces détachées par rapport à ça. Et je trouve ça hyper bien. Et ça fait du coup une petite déco. Voilà, si vous avez des petites choses à ranger, ou même si vous faites par exemple de tout ce qui est du scrapbooking, etc., pour mettre vos ciseaux, etc. Je trouve franchement que c'est très très bien. Et du coup, j'en ai profité, comme c'était en promo, et c'est encore une fois très bien emballé, j'avais pris mon scotch, mon ciseau à la base. Comme ça, au moins, ça sera monté avant que je parte. J'ai pris une bougie qui était en promo. Donc, c'est une bougie comme ceci. Je crois qu'elle était à 2,99€. Je ne sais plus, je vous remettrai les prix de toute façon. Et c'est vanille. Voilà, donc hâte de sentir un peu les bougies. Je vais tester comme ça les bougies de chez Ikea. Ce que je vais faire du coup, c'est que je vais voir avec le chéri s'il est dispo pour m'aider. Il va falloir de toute façon que je détache tout ce que j'ai vu que je vais mettre au-dessus du PC en fait sur le mur. Et il faut déjà que je détache tout ce qu'il y a. Et après, on va mettre en place du coup ce grand truc. Et je vais vous montrer le résultat après. Et voilà ce que ça donne. Donc heureusement que le chéri était là parce que du coup, il y avait quelques petits bidouillages à faire. Mais franchement, je trouve que ça fait très bien. Attendez, j'essaye de décrire pour que vous vous rendez compte un petit peu. Voilà, là j'ai du coup mon bureau. Et du coup, j'ai pu accrocher toutes mes mignonneries. J'ai bien fait de le prendre en noir. Comme ça, ça fait bien ressortir. Et franchement, même pour mettre des photos, etc. Bon, le petit rangement comme ça, c'est vrai que on le voit pas forcément ce qu'il y a dedans. Comme je suis petite, mais c'est pas très grave. Mais vous voyez, voilà. Après, vous avez des crochets, encore une fois, vous avez plein de trucs. Je vous mettrai les liens en barre de description si ça vous intéresse. Vous avez plusieurs coloris. Mais franchement, je trouve que le rendu, il est impeccable. Et ça permet encore une fois que voilà, les mignonneries ressortent. Franchement, je suis trop contente de mon achat. Chérie est en train du coup de monter les poignées de porte sur le meuble. Je vais donc vous quitter pour ce vlog parce que je vais aller me reposer un petit peu. Il faut encore que je prépare ma valise que je n'ai pas faite. Il faut que... Enfin, j'ai encore plein de choses à faire. J'ai marqué sur ma liste, mais j'ai encore plein de choses à faire. Et voilà, demain il faut que je fasse les produits terminés. Là il faut que je monte le vlog pour que vous l'ayez du coup demain, lundi. Et la vidéo de mercredi du coup est prête. Et demain je ferai la vidéo du coup pour vendredi. Et à partir donc du 10 jusqu'au 18, je serai absente des réseaux. Voilà, donc je ferai une coupure totale. Donc voilà un petit peu. Donc au moins comme ça j'ai fait tout mon rangement, j'ai mis en place tout ce que j'avais mis en place. Au moins comme ça c'est fait, je suis tranquille. Et quand je vais revenir, du coup, il n'y aura plus qu'à reprendre le travail. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous pendant mon absence. Merci de votre gentillesse et de votre compréhension par rapport à tout ce que je vous ai dit. N'hésitez pas à regarder mes anciennes vidéos si vous n'avez pas eu le temps. Alors, n'hésitez pas aussi jusqu'au 14 février, la promo Nox est toujours d'actualité. Je vous remets tout en barre d'informations. Et puis, voilà, dans 2 jours, même pas, c'est le grand départ. Donc, je stresse un petit peu, hein, forcément. Mais je sais que ça va me faire du bien et que j'ai vraiment besoin de cette coupure. Donc voilà, donc je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt.